Salut tout le monde, c'est Alexuki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui nous allons parler du nouveau personnage ajouté avec la nouvelle bannière temporaire du jeu. Je parle bien sûr de Clay. Donc oui, déjà première information de cette vidéo, c'est que le nom de ce personnage se prononce Clay et non pas Klee comme tout le monde le prononce, puisque si jamais vous avez le jeu en japonais et que vous écoutez bien les dialogues, les personnages disent bien Clay et non pas Klee. Et du coup, dans cette vidéo, nous allons parler du gameplay de Clay. Nous allons aussi voir quels sont les matériaux nécessaires pour augmenter son niveau. Et on va voir toutes les petites informations qui traînent à propos de ce personnage. Et bien sûr, je vais vous donner mon avis sur ce personnage. Est-ce que personnellement, je vais prendre ce personnage? Je vous y répondrai dans cette vidéo. Et du coup, bah, ne perdons pas plus de temps. Et passons à la vidéo, justement. Clay est l'un des chevaliers de l'ordre de Favonius, dont font aussi partie Jean, Ember, Lisa et Kaia. En japonais, elle est doublée par Misaki Kuno, qui a notamment doublé Typhoon dans ReZero et Hawk dans Seven Deadly Sins, ainsi que plusieurs autres personnages secondaires dans divers animés comme Azur Lane, Log Horizon ou Fairy Tail. Si jamais vous voulez tester Clay sans avoir à investir dans sa bannière, eh bien vous pouvez débloquer une quête au niveau d'aventure 32 qui vous permettra d'incarner Clay durant une mission et lui faire quelques petits combats dans un donjon. C'est une utilisatrice de catalyseur et elle maîtrise l'élément pyro. Son attaque basique permet d'enchaîner 3 lancements de bombes consécutifs qui infligent des dégâts pyro aux ennemis. Si vous maintenez votre touche d'attaque, elle tirera un laser qui fera des dégâts de zone, encore une fois, d'attribut pyro. Son attaque élémentaire lui permet de lancer une bombe qui rebondit 3 fois et fait des dégâts à chaque rebond. Au troisième rebond, la bombe explose et libère une multitude de mini-bombes qui exploseront au contact d'ennemis. Vous pouvez avoir jusqu'à 2 charges de cette attaque élémentaire et chacune d'elles met 20 secondes à se recharger. Son déchaînement élémentaire crée des fleurs autour de vous qui tirent sur les ennemis aux alentours. Il faudra cependant faire gaffe car votre déchaînement disparaît si vous changez de personnage. Concernant ses passifs, le premier d'entre eux est cadeau explosif. Il vous permet d'avoir 50% de chance, après une attaque, de faire apparaître une fleur explosive qui augmentera les dégâts de votre prochaine attaque chargée. Le deuxième passif, lui, rechargera de 2 points l'énergie élémentaire de vos personnages si vous faites un coup critique avec une attaque chargée. Enfin, son passif en dehors des combats vous permet de voir tous les produits qu'on ne trouve qu'à 20 stats sur votre carte, donc idéal pour trouver facilement les objets nécessaires pour certaines élévations de personnages ou pour remplir plus facilement la quête hebdomadaire du pass de bataille. Si vous voulez élever les niveaux de Clay, il vous faudra des loots de l'arbre de feu, des champignons anémophiles et des parchemins droppables sur les sortes de chamans dans les camps. Maintenant, mon avis sur le personnage après l'avoir testé justement dans la quête qu'on peut retrouver au niveau 32 d'aventure, et sans avoir vraiment un bon stuff sur ce personnage, puisque bon, ils avaient augmenté un petit peu ses constellations, mais rien de bien incroyable. Donc du coup, bah, pour moi, le personnage est très drôle à jouer. Il est très différent de tous les autres personnages, c'est ce qui le rend vraiment unique. Et je pense que c'est surtout pour ça que c'est un 5 étoiles. Tous les 5 étoiles ont vraiment une particularité par rapport aux autres personnages 4 étoiles, qui des fois peuvent être un petit peu similaires, même si tous les personnages de ce jeu sont extrêmement différents les uns des autres. Voilà, les 5 étoiles ont toujours ce petit truc qui va les différencier, et pour Clee, ou pour Clay plutôt, excusez-moi, je me trompe moi-même dans la prononciation du nom du personnage, mais pour elle, elle a un gameplay qui est très explosif justement, elle balance des bombes de partout, et c'est très original et très marrant. Et bien sûr, si j'arrive à la voir en faisant des invocations sur sa bannière, je pense la jouer puisque je la trouve vraiment très marrante, mais le problème avec ce personnage, c'est que je le trouve extrêmement lent, ses attaques sont très très lentes, et surtout, son ulti est très encombrant selon moi. Puisqu'en effet, son ulti n'est pas comme celui de Xiangling. Vous savez, Xiangling, vous utilisez son ulti et vous avez des lames qui tournent autour de vous. Et même quand vous changez de personnage, ces lames continuent à faire des dégâts aux adversaires. Pour Clay, justement, ce ne sera pas la même chose. Si vous utilisez son ulti, vos lasers vont apparaître autour de Clay, mais si jamais vous changez votre personnage, eh bien ces lasers vont disparaître. Donc c'est très contraignant, ça empêche de faire des réactions élémentaires, sauf si bien sûr vous avez fait eh bien, des attaques élémentaires avant d'attaquer avec Clay, bien sûr avec d'autres personnages, donc vous infligez de l'eau, de l'électricité, de la glace sur les adversaires. Et du coup ça nous obligerait à jouer Clay comme étant un personnage DPS, puisqu'elle devra rester 10 secondes tout le temps que son ulti est actif, et du coup elle fera des dégâts en balançant ses bombes. Mais je pense que la plupart d'entre nous ont déjà des DPS bien construits,
et ils n'ont pas forcément assez de ressources pour monter de zéro, à partir de zéro, un nouveau DPS. Donc c'est là le problème, et c'est pour ça que c'est pas vraiment un personnage que je vais forcément viser en allant sur sa bannière. Ou plutôt, si jamais je vais investir sur sa bannière, si je ne l'ai pas, bon, bah, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, si je peux me contenter d'un autre 5 étoiles à la place. Mais si jamais vous voulez quand même la jouer, il faudra vraiment que ce soit le dernier maillon de votre combo. Donc par exemple, vous commencez une attaque avec Fischl pour mettre le statut électro sur les ennemis, et après vous allez switcher sur par exemple un personnage haut, ou alors directement sur Clé pour faire son ulti, et du coup faire des réactions élémentaires avec l'électro et le feu, et du coup vous ferez un maximum de dégâts. Du coup, il faudra peut-être partir sur ça. Mais par contre, il y a des choses que j'aime bien dans son gameplay, et notamment son attaque élémentaire. Celle-ci est extrêmement intéressante, et c'est peut-être pour ça que je voudrais le personnage. Parce que moi, j'ai beaucoup de personnages vent, et elle combat énormément avec les personnages vent. Puisque je vous le rappelle encore une fois, mais l'attaque élémentaire de Clé vous permet de balancer une bombe. Au troisième rebond, la bombe explose et fait apparaître plein de petites bombes. Et c'est là que c'est très intéressant pour des personnages vent comme Sucrose, Venti, même le personnage principal Anemo que vous avez dès le début du jeu, ou bien sûr Jean, plein de personnages vent comme ça, et bien vous pouvez utiliser leurs attaques pour attirer toutes ces bombes, puisqu'elles sont déplaçables avec le vent, et après vous pouvez les lancer sur les adversaires. Ou alors par exemple si vous jouez Venti ou Sucrose, ces deux personnages ont des attaques qui vous permettent de rassembler les ennemis à un seul endroit, et si les bombes ne sont pas loin et qu'elles sont attirées justement par le vent, elles vont toutes s'attirer sur votre vortex, par exemple pour Venti, ou bien sûr c'est un vortex plus petit pour Sucrose, et du coup les ennemis qui sont tous dans ce vortex vont prendre tous les dégâts des bombes d'un coup, et ça c'est vraiment très très fort. Et du coup c'est à cause de cette petite combo que j'ai bien envie quand même d'avoir Clé, puisque j'ai mon Venti qui est maxé et qui fait énormément de dégâts, donc si en plus de ça je remplaçais ma Xiangling qui est déjà dans mon équipe contre, eh bien, Clé qui peut faire justement cette combo, je sens que ça pourrait être tellement fort et ça pourrait être tellement marrant. Finalement, j'ai peut-être bien envie d'avoir Clé dans mon équipe, je suis trop mitigé par rapport à ce personnage. Donc en soi, je vais quand même investir un petit peu dans sa bannière et bon, au pire des cas, je l'ai et comme ça je vais pouvoir tester les combos avec Venti. Et peut-être que ce sera génial et que je changerai totalement d'avis, je serai là, oh mais ce personnage est juste génial, comme Venti au début, j'étais là, bon, ouais, Venti il est sympa, et au final, j'adore jouer Venti. Donc on verra bien, et au pire des cas, encore, enfin, bon, j'ai dit pire des cas pour si jamais j'avais Clé, mais si, deuxième pire des cas, si je n'ai pas Clé, peut-être que j'aurai un autre personnage 5 étoiles, et je serai totalement satisfait d'avoir par exemple Chi-Chi, je ne sais pas, Ketching bien sûr, Diluc ou n'importe quel autre personnage 5 étoiles. Et d'ailleurs vous aussi n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce personnage en commentaire. Est-ce que vous pensez investir dans la bannière de Clé, ou est-ce que vous allez, eh bien, garder vos primogèmes ou votre argent pour investir dans une future bannière qui pourrait sortir après celle de Clé, peut-être celle de Xiao si on suit la logique de la bêta. Ou alors, est-ce que vous pensez investir dans la nouvelle bannière qui pourrait éventuellement sortir en 1.1? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo pour m'aider à faire connaître la chaîne. Et bien sûr, à vous abonner pour être au courant quand je ferai de nouvelles vidéos sur Genshin Impact. Et aussi à me suivre sur Twitch pour être au courant quand je serai en live. Comme ça, si vous avez des questions à me poser, si vous voulez discuter de Genshin Impact, vous pouvez totalement le faire quand je suis en live, généralement le soir ou l'après-midi en week-end. De toute façon, le planning de mes lives est toujours posté dans mon onglet communauté sur YouTube, comme ça vous êtes au courant quand je suis en live. Et sur ce, eh bien on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde !